Et c'est un vrai plaisir pour toute l'équipe d'être une fois de plus en votre compagnie, amis téléspectateurs, pour un autre numéro, pour un nouveau numéro, on va dire, de Face au Hit. Face au Hit, vous le savez, chaque semaine, nous nous retrouvons, bien sûr, sur la télé 100% passion, pour partager avec vous des nouveautés au pays des hommes intimes en termes de vidéos, et aussi vous dire ce qui se passe sur la planète People. Au menu de ce rendez-vous, donc, on ne va pas déroger à la règle. On proposera tout à l'heure des nouveautés en termes de vidéos. On se fera un plaisir d'écouter Solodja Kabako. Tila également est dans la place. Rovan également. On visionnera le nouveau clip de Rovan également. À la demi, au milieu de tout cela, on vous proposera ce qui fait l'actu sur la planète People. Mais permettez-nous de démarrer tout de suite avec, comme je le disais tantôt, le nouveau clip de Solodja Kabako, extrait de son nouvel album. Un album qui est un hommage rendu à toutes les femmes. Voici d'ailleurs le titre Moussou Tamaturo. C'est la démarche de la femme, il me semble bien. C'est pour vous. Bienvenue à tous et à toutes à Face au Hit. Solodja Kabako sur nos platines pour démarrer cette émission. Et puis, il faut noter que c'est un grand nom de notre musique. Donc, ça fait plaisir de savoir que voilà, la carrière ne s'est pas arrêtée, qu'il est revenu avec un nouvel album. Au plaisir d'ailleurs, comme je le disais tantôt, de toutes les femmes. Un autre grand nom de la musique au Burkina Faso qui a représenté valablement le Burkina Faso en Côte d'Ivoire lors du FEMUA, c'est Mr. Alif Naba. Écoutons ce tube-là, Bak Biga, que nous vous proposons. Thank you.
can't know ye. Bad to be, got beat, come ye, win woe. Wow, goof ma, la foi, goof ba. Pensons, we tout sang faux. Les bam doara. Bad to be, can't know ye. Bad to be, got beat, come ye, win woe. La foi au groupe bas, pense au moins tout sang faux. Mais bam d'ara, waouh. Mal gengeska, et tout le monde les bras qu'il m'a. Mal gengeska, admire canana. Mal gengeska, et tout le monde les bras qu'il m'a. Mal gengeska. Canana, gwe tonto mumo sa wini malad badara tibi misambo. Mwen gingeska, adbime canana, gwe sankatalo lago de blara, fukatwa inandye. Décidément, il n'y a que des grands à cette émission. Juste après Alif Nava qui nous proposait à l'instant Bark Biga, voici Maman Rouvan, c'est ça, le secret, c'est elle qui l'est.
Nouvelle vidéo de Rovan à l'instant sur la télé 100% Passion, une vidéo qui fait actuellement en tout cas le tour des chaînes de télé, et ça fait plaisir également de savoir que vous aimez, n'est-ce pas, ce nouvel album de Maman Rovan, un album qui, je le rappelle, est disponible sur le marché des disques Pokinabé. La suite, qu'est-ce qui fait l'actu sur la planète People? C'est Showbiz, c'est tout de suite, voici pour vous. C'est à croire que les grosses pointues de notre musique se sont donné rendez-vous ces vacances pour leur sortie discographique. En effet, après Désir de femme de Rovan et selon certaines indiscrétions, Idak Bassavé se prépare à sortir son nouvel album. Pour l'instant, le staff ne laisse rien filtrer, mais en croit à certaines sources, l'album devrait en principe s'appeler Suguri, qui signifie le pardon. La sortie de cet album est attendue pour ces vacances. Elle n'est pas la seule à lancer son album. En effet, de retour du Fumia, Alif Naba décide également de sortir son prochain album qui s'appellera Yiki, qui signifie en langue morée lève-toi. Et pour ce faire, selon certaines sources, l'artiste prévoit deux concerts géants pour la présentation de cet album, l'un à Ouagadougou et l'autre à Bobo-Dioulasso. Notons que sa prestation au Fumia a été beaucoup appréciée par le public ivoirien. Eux aussi attaquent le CAO pour présenter leur nouvel album, le groupe Face au Combat. Après avoir présenté l'exclusivité de leur nouvel album au Koundé, ont décidé de dédicacer ce dernier au CAO le 31 mai prochain. L'album, qui devait s'appeler Zemzem, succède ainsi à Enfants de la Patrie. Il faut dire que le groupe est beaucoup attendu par leurs fans. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire précisément, selon les tabloïds ivoiriens, le mariage de Claire Bailly, qui avait été célébré il y a 10 mois de cela, vient de prendre fin. Si on en croit nos confrères, l'homme politique nigérien Kif Bamidele, elle l'aurait répudié pour manque de confiance. Même pire, l'homme d'affaires vient de lui arracher les deux cylindrées qu'il lui a offertes et autres biens. Claire Bailly brise ainsi son deuxième mariage après son idylle avec le producteur Fadiga de Milano, qu'il avait répudié pour infidélité avec l'artiste Soumbil. Même si elle ne s'avoue pas vaincue, elle compte tout faire pour laver son affront. Le divorce de Claire Bailly fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment dans la sous-région, à telle enseigne que nous avons voulu en savoir davantage. Et selon notre source, c'est une liaison qu'elle a eue par le passé avec le footballeur international ivoirien de Saint-Etienne, Max Gradel. Le footballeur a eu, au cours d'une interview dans un magazine de la place, révélé qu'elle lui en voulait parce qu'il avait refusé de coucher avec elle. Claire Bailly aurait rétorqué dans un autre magazine: il y a quelques années, il m'a appelé pour me demander pourquoi j'avais refusé de coucher avec lui. Je lui ai répondu que lorsqu'il m'épouserait, comme il l'avait promis, et qu'il m'emmènerait à l'ombre, on passerait à l'acte, ce qu'il n'a pas fait. L'homme d'affaires nigérien conclut ainsi que Claire Bailly a accepté de se marier avec lui pour se venger de Max Gradel, qu'elle continue d'aimer. Il a donc mis fin à son idylle avec la conceptrice du Bobara Fitini.
Bon, voilà donc au parfum de tout ce qui se passe sur la planète People. Je rappelle que cette rubrique, vous pouvez la retrouver sur le site de Burkina 24 toutes les semaines d'ailleurs. Retrouvons à présent la formation Tilaïe. Voici la vidéo Pélépi. Salut, moi c'est Marco. Moi c'est Asita. Et nous, moi c'est Fatia. Moi c'est Iska. On est les Tilaïe. Notre maxi est disponible dès le 16 avril. Le Burkina Faso regorge de beaucoup de potentialités, en jugé d'ailleurs par cette belle vidéo que nous venons à l'instant de vous proposer. Il faut noter que de plus en plus, en fait, nos artistes commencent véritablement à proposer des vidéos qui sont compétitives au plan international. Et on se fait un plaisir également, nous, de relayer cela comme info.
BG Club. Nicolo. Aïe aïe aïe. Le retour de DJ Nicolo avec le nouveau concept. Le soufflé soufflé qui va visser très très mal. A Ouaga et partout dans le monde. Autorité toujours première. On est tous chauffés par la chaleur, les beaux les gars dans la piscine. Les beaux frottes d'antis dans les mains, il faut juste une bière, c'est rafraîchi. La belle Pongo Aïcha. Le roi Mickey Michael, DJ Ouma. Une affaire des climatiseurs. Ou bien, j'entre mon parent. Mascotte. Oujala, 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 dile. Oh, DJ soufflé. Papa est bon soufflé. Papa bani moi soufflé. Papa chaga va soufflé. Oujala, 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 arrête de baisser à haut. Hey, soufflé, oh, rio, baisser à haut. Na, 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 Général Ganet, Adama Tombiano, Commandant Vecho, Charles Tamore. Allez, Bori, 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 Daisy nous propose Azalaki, c'est pour le bonheur de tous ceux qui nous suivent actuellement en Côte d'Ivoire. Azalakiwa, pembeni nanga, esika
Et c'est Daisy qui aura la loutage de refermer les portes et les fenêtres de cette émission. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour nous. On s'est beaucoup amusé en votre compagnie. On ose espérer qu'il en a été de même pour vous, en tout cas. Et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour pour un autre numéro, on va dire, de Fast Food Hit. Vous le savez, c'est toutes les semaines que nous vous proposons cette émission sur votre télé préférée. Allez, prenez bien soin de vous. Et à la semaine prochaine, Kekao, sans oublier, bien sûr, de faire un coucou à tous ceux qui nous suivent et qui nous ont suivis du côté de Banfoura, Ouagadougou, Bourdieu, Lasso et Waïgua, sans oublier Kourougou. Ciao, ciao et à la semaine prochaine. Bye bye. Tu as me tué.